Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes de 19h 21h sur TSO Radio. La suite de l'émission, il est 20h, vous êtes toujours sur TSO Radio, le soir tard chaud. Voilà, il y a de l'ambiance, hein. même quand il y a la pause, la musique. Est-ce que tu as entendu le bon off de Laura? Non. Bah en fait, il faudra enregistrer de nuit. On est on la nuit. On aurait moins chaud. Il fait noir. Bon. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Ah ouais. C'est pas faux. Bah, il faudrait, je pense, enregistrer vers minuit 11. Et là, ouais, et on serait pas mal, bien. On commencerait bien. Tout, là. On serait bien. Mais tu vois, on serait plus ambiancés, regarde. On serait plus ambiancés. Là, c'est cacalore quand même. Putain, la vache, on l'aura fait jusqu'au bout. Hein. Je vous félicite parce que vous n'avez pas à avoir, sauf un, hein, comme d'hab. De toute façon, moi, je suis en colère après le fantôme et Granière. Là, c'est Granière. Hey, moi, après les deux aussi. Ouais, non, mais Granière, je pense que je vais lui mettre sévère le 2 juillet aussi. Enfin bref, donc on va jouer au jeu du post-it, vous connaissez la règle maintenant. Oui. On vous met des artistes sur la gueule et oui. On doit l'aider à deviner qui c'est par des indices. Je rappelle que là nous sommes en mode coulant, on coule de ouf, on colle, on brille, on est vraiment on pas... Sue. On sue, donc je vais venir les mettre sur vos têtes le temps que tout le monde les voit. Et on vous les retenez, en général c'est un artiste, une célébrité et puis ça va aller très vite. Alors on va commencer par... Alors, maintenant que j'ai appris que tu faisais un peu de sport, parce qu'on va commencer par Tony Vec, ça m'évitera de me lever. Voici donc le personnage à faire découvrir. Attends, c'est les lunettes. Ah, c'est les tiennes. Mamita. Ça marche pour vous? Allez, c'est parti, Nivek, on t'écoute. Après, si c'est un sportif, c'est des arts martiaux? Non. Pas du foot, j'espère? Non. Heureusement. Non, mais forcément, je suis pas sûr que c'est un sport que tu pratiques, mais. Bah, en même temps, genre, personne pratique autour de la table. Si, on a un live. Non. Mais c'est bien, donne plein d'indices. Je sais pas, du tennis. Ouais, mais c'est qui? C'est Roman. Donc, c'est du tennis, c'est bien. Déjà, je connais aucun tennisman, alors ça va y aller vite. Ah. C'est plié. Je dis, je pratique du sport, c'est pas parce que je suis du sport. Aucun. Il est très connu. Même pas. C'est un espagnol. Parce que je crois avoir entendu son nom. Vas-y. Mais je saurais pas le redire. D'accord. C'est comme le politique que j'ai toujours oublié. Les amygdales. Ça rime avec Al, Geladal. Raphaël. Raphaël. Raphaël Anal. C'est exactement ça. Ok, bah ça a été vite hein, pour quelqu'un qui connaissait pas. Ouais. Allez, c'est parti. Un petit beau gosse pour celui sur qui je vais mettre ça. Ah, complet, hein, je bouge. Alors attention, il avance doucement. Il avance. Ah ouais, ah, okay. Mais c'est le gars. Ouais. Ah, mais c'est le gars. C'est complètement lui. Ouais. C'est le gars. Oh là là. Bah alors attends. Mais Starmine. Et là, t'as fait monter la température encore alors... plus d'un cran. Je peux te dire. Il faisait 32, il fait 37. Alors. Vas-y, ouais. Seb, on t'écoute. Jason Statham? Non. C'est un acteur? Oui. Américain? Oui. The Rock? Non. Ben Johnson, non? Non. Toi, t'as un esprit, toi, je vois Bah, c'est parce qu'on a dit, tu fais monter la température, donc tout de suite, il part dans le muscle, dans le... Ah, ok, non. Ouais, non. C'est pas ça, il est pas réputé pour ça. Il fait des comédies? Enfin, comédie d'aventure. Ouais, ça peut être que c'est quand il y a quand même de l'humour dans ce truc-là. Quand il y a de l'humour, il se déguise pas mal. Shining Tattoo? Enfin, non. Mais c'est quoi tes trucs là? Bah c'est les acteurs américains que... Tous les bons gosses. Shani Tatum, Tatum Sujimashat. Ça c'est japonais. Il est jeune? Il est quoi? Non. Moi j'avais compris les jeunes. Cinquantaine je pense, non? Je pense qu'il avait maintenant. Je vais regarder. Pas loin. Tu crois pas loin 60? Oh 55. Brad Pitt? Non. Georges Clooney? Non mais c'est du même... C'est du même... Du même acabit, comme on dit. Acabit, c'est de la même acabit. Du même acabit. Il est souvent costumé dans ses films. Souvent grimé. Il est beaucoup... Enfin... C'est pas, il joue rarement sa gueule quoi. Hey, il a 58 ans. Ah ouais, il est frais encore. Ouais, il est frais, moi j'aime bien. Pose des questions, tu vas trouver, c'est sûr. Non, mais. Et c'est, il fait pas. Il n'est pas humoriste aussi, non? Non, pas du tout. Tu connais des humoristes américains, toi? Bah, Kevin Hart, c'est un humoriste. Ah ouais, non. Il est américain, mais il a quand même un certain rapport avec la France. Il a eu pendant des années un gros rapport. Bradley Cooper? Non.
Il a ouais, c'est, tu vas peut-être trouver si je dis ça. Ouais, non, ouais, bah, déjà ce que j'ai dit, j'ai eu un doute de dire ce que je veux dire. Il a un gros rapport avec la France, je pense même que tu peux pas. Enfin, c'est. Avec la France. Il y a des enfants qui doivent avoir la double nationalité, quoi. Ça. France, américano-France. Alors, n'hésite pas à poser des questions. Sur les films, genre de films, je sais pas. Il est marié. Bah, il a été longtemps. Il a été. Bah, il n'a pas été remarié. Son ex-femme, c'est Vanessa Paradis, donc c'est Johnny Depp. Bien. Beau gosse, j'adore. J'adore les sushis. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Non, toi. Ah, tiens. Donne la boîte, nous on l'a pas choisi. Ah ouais. Tiens, donnez la boîte. On va lui mettre un truc. Ah non, mais montre-le, je veux. La boîte. Il y a un truc qui va trop. Ils sont en train de chercher un personnage à faire découvrir. Pour nos chers auditeurs qui nous écoutent, soyez bienvenus sur TSO Radio, bien sûr. Ça fouille dans les cartes. Ça retrouvez bien sûr toute cette séquence sur YouTube, TSO Radio. Ouais. Là, ils deviennent longs, franchement, comblés, ça devient compliqué. C'est bon, on a trouvé. Moi, je l'avais vu. Bah, montre-le-nous, il est de dos. Montre-nous. Ah ouais. Nivek, tu penses que tu. Je sais pas tu si connais tu pas. Connaître. Je pense pas. Non, il connaît pas. Oh, si. Ah, ah si. Ouais. Oh. Bah, si, ils sont. Montre à la caméra. Tais-toi. Ah oui, la caméra. La caméra. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ouais. C'est bon. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Allez. Alors, c'est parti. C'est le gars. C'est vraiment toi. Ça, ça, ah ouais, c'est vraiment toi. Attends, je vais même faire un petit. Ça se sent. Photo. C'est vraiment toi. Ça c'est se sent. Nicolas Cage. Non. T'inquiète, c'est. Pas si bien. Oh la vache. Essaye d'être beau. Alors. Vas-y, pose des questions. Tu peux commencer. Alors, est-ce que c'est un acteur? Non. Non. Français. Il est français, mais il parle français. Mais c'est pas un acteur. Il est français, non? Non, c'est acteur. Il est français. Il a pas des origines. Bah, c'est français par contre. Sans qu'il ait des origines. Problème de télé. Sans qu'il ait des origines ukrainiennes, un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Donc il est pas acteur, donc ni série ni film. Non. Est-ce qu'il est politicien? Non. Non. Est-ce qu'il est. Il est connu? Oui. Ah, oui. Pas politicien, pas acteur. Est-ce qu'il est chanteur? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est vieux? Oui, ça durait. Il fait pas son âge. Pour le coup. Est-il connu depuis des années? Oh oui. Oui. Donc il est ultra connu. Mm-hmm. Il fait pas de chansons, il est humoriste? Non. Non, enfin, avec sa gueule, oui. Oh putain, bah c'est bien, on m'a dit que c'était moi. Pardon, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il a fait de la publicité? Non. Il a 71 ans. Donc lui, il est... Non. Ouais, ah ouais. Si. Ouais. Ah oui, non, pas, ça conserve pas de pub, pas de pub, pas chanteur, pas politicien. Non. Qu'est-ce qu'il fait Il a fait une émission télé. Un animateur télé? Bah, c'est pas un animateur, c'est... vraiment. C'est il a fait une émission dans son domaine. Il a fait une émission dans télé son domaine. Il parle de son domaine. C'est pas son. C'est animateur, c'est pas son métier. Est-ce qu'il l'a fait pendant longtemps? Dans les années 80. Oh, attends, certainement. Pendant 5 ans ou 10 ans, je crois, peut-être. Hein. En fait, à 71 ans, m'entendre dire ah, c'est tout toi. Ça me fait un peu chier, mais bon. Bah, je. Julien Lepers? Non. Non, je suis con. Il a fait une émission dans son domaine. Ouais, tout ça un peu sur le côté physique. Accentue-toi plus. Il a participé aussi à Fort Boyard en tant que. Non, dis pas trop. Candidat, mais. On a dit pas trop, là, à mon avis. Je sais pas si c'est fan de Fort Boyard. Mais... Pense au côté physique. Particulier. De moi, bah, chauve. Non, très non. Particulier. Très particulier. Ils vont pas mal chez Hanouna. Oui. Même Hanouna a fait une musique sur lui. J'adore. Cartman? Non. Il a 71 ans. Oui. Aluna a fait une musique sur lui. C'est Patrick Sébastien? Non. Il a fait un clip. Un clip aussi, oui. Sur lui, sur la personne. Sur la personne. Cette personne a fait, mais vraiment beaucoup parler pour son physique. Un physique particulier. Physique, visage particulier. C'est pas Boudère, il a pas 71 ans? Non. Physique particulier, les Bogdanov. Oui. Lequel? Oh bah Igor ou Grechka. Lequel? Bah Igor. Eh bah non, c'est Grechka. Merci beaucoup pour la comparaison.
Bande d'enfoirés. Ouais, avec plaisir. Alors, par contre, Shanouna, j'ai pas de problème. Mais si, avec Bob, c'était à deux qui faisait ça. Parole de chanson, mélodie d'une autre, c'est ce qu'on va faire juste après sur TSR. Vous connaissez cette séquence magnifique qui est entre notre président et Vince. Non, on est contente. A tout de suite sur TSO Radio. Le duel est lancé là. The duel. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.